C'était en 1999, je venais d'avoir Internet. J'ai regardé un bateau qui était en vente pas cher du tout. Je prends ma voiture, je descends au Cap d'Agde et là, je découvre le nom du bateau Nan. Je rentre chez moi et j'en parle à ma mère. Elle me dit « Oui, ton grand-père anglais a eu un bateau qui s'appelait Nan entre 1949 et 1952. » Je retrouve un vieux registre du Lloyd et ce que je découvre, c'est que ce bateau-là a été dessiné et construit par William Five Jr. C'est un peu comme Ferrari, Enzo Ferrari, voilà. Je suis peut-être un peu chauvin, mais je pense qu'il n'y a aucun bateau qui a une ligne comme Nan. Je décide de vendre le bateau que j'avais, ma maison, et d'attaquer la rénovation. Je loue le hangar d'un agriculteur, j'y amène l'eau, l'électricité. J'ai embauché un charpentier de marine, un débédiste et un menuisier. Et on a pu restaurer le bateau tel qu'il était en 1896. On a gagné la Régate Royale de Cannes, on a gagné les voiles de Saint-Tropez, je crois, deux fois, on a fait beaucoup de podiums. La passion fait avancer le bateau. C'est un bateau 100% amateur. Il n'y a pas de professionnel à bord, il n'y a pas de gens payés à bord. C'est à peu près, on va dire, 90% de travail, mais 10% de bonheur et 10% de bonheur très, très, très intense. Je suis Philippe Ménénic, marin-pêcheur et propriétaire de Nan.